soit à calculer l'intégrale entre 1 et 2 de la fonction 2 exponentielle de 3x moins expo x plus 5 divisé par expo x dx. Cette fonction est continue sur l'intervalle 1, 2, donc on peut calculer cette intégrale. Donc, est égal. Je vais ici transformer l'écriture. Donc, j'écris 2 exponentielle de 3x sur exponentielle x moins exponentielle x sur exponentielle x plus 5 sur exponentielle x. Et ici, je mets dx. Est égal à l'intégrale entre 1 et 2, expo 3x sur expo x. Cela me donne expo de 2x, parce que 3x moins x, 2x, moins 1, plus 5 exponentielle moins x, parce que l'inverse de exponentielle x me donne exponentielle moins x. Je peux donc ici en déduire une primitive de cette fonction. Donc, primitive de e de 2x, c'est e de 2x sur 2. Primitive de 1 ici, moins x. Et la primitive de exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle moins x. Ici, je simplifie. Je peux donc maintenant remplacer x par 2. J'obtiens exponentielle de 2 fois 2, exponentielle de 4, moins 2, moins 5 exponentielle de moins 2, moins, et je remplace x par 1, exponentielle de 2, moins 1, moins 5 exponentielle de moins 1. Je peux ici enlever les parenthèses, il me restera exponentielle de 4, moins 2, moins 5 exponentielle de moins 2, moins exponentielle de 2, plus 1, plus 5 exponentielle de moins 1. Donc je ne peux pas vraiment simplifier. Je vais ici mettre exponentielle de 4, moins exponentielle de 2, moins 5 exponentielle de moins 2, plus 5 exponentielle de moins 1, et je peux juste ici simplifier, moins 2 plus 1, me donne moins 1, le résultat en unité d'air.